Cette émission vous Chaque est année, présentée avec vidéo description. Une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un de mes chums qui m'a appelé pour me dire « Denis, faut que tu viennes en ville, faut que je te voie. » Non, non, je descends pas en ville là, là, on m'a descendu en ville tantôt. Là, il m'a fait comprendre, il se passe de quoi chez ton frère. À ce moment-là, notre vie bascule. C'est comme dans notre cerveau, on change de... Tout change. Vraiment, ça m'a viré à l'envers d'apprendre cette nouvelle-là parce que, mon Dieu, ça se peut pas, je rêve-tu? Le vendredi 3 juin 2005, Robert Blanchette se présente chez son revendeur de drogue, Dominique Derry. Monsieur Blanchette était un travailleur de la construction à 16 heures. Il consommait de la cocaïne régulièrement avec sa conjointe. C'était leur activité de fin de semaine de se procurer de la cocaïne. Et c'est quelqu'un qui avait quand même une bonne réputation d'un bon vivant. Comme il lui doit déjà une centaine de dollars, Derry refuse catégoriquement de faire une nouvelle avance à Blanchette. Il lui demande de quitter son appartement. Mais Blanchette ne veut rien entendre et se fait harcelant. Ses supplications seront lourdes de conséquences. Robert Blanchette, qui se fait aussi appeler Blanchet, naît le 16 novembre 1966. Bien que respecté à Victoriaville, sa famille connaît néanmoins certains problèmes. Sa mère avait un problème alcoolique, puis Robert, je me rappelle qu'il a dit... À un certain moment donné, elle voulait sortir, là, des petites soirées de madame, là, mais qu'elle partait en embarquant dans sa voiture, puis... Elle se méfiait pas que Robert ait dit « Non, mais je veux pas que tu t'en ailles, j'aimerais ça que tu restes avec moi. » En tout cas, c'est toutes des choses, je pense, qui ont beaucoup marqué Robert. Le problème d'alcoolisme de la mère de Robert prend de trop grandes proportions et l'enfant est placé en famille d'accueil. Pour quelqu'un qui a un parent qui consomme, il y a à peu près la moitié plus de chances qu'il développe un problème de consommation que quelqu'un qui n'aurait pas un parent proche qui a eu un problème de consommation. Donc, il y a vraiment une composante familiale qui est assez présente, qui augmente de beaucoup le risque de développer une dépendance. Puis, outre le côté biologique, il y a aussi tout l'apprentissage d'avoir vu un parent qui consomme, puis comment je fais pour gérer mes émotions. Quand ce que j'ai vu, c'est, ben si ça va pas bien, je bois, ben le réflexe aussi, ce qu'on apprend comme enfant, même sans vulnérabilité génétique ou biologique, c'est que ben, c'est une façon acceptable là, de gérer les moments difficiles ou les moments heureux même. C'est à l'école, alors qu'il est jeune adolescent, que Robert rencontre une jeune fille dont il s'éprend. Moi, je l'ai connue à l'école. Je pense que j'étais en secondaire 1. Lui devait être en secondaire 2. On s'est mis à se regarder et en tout cas à pas saillir. J'ai été 2 semaines à sortir avec. À ce moment-là, on était toute jeune. Vers le milieu des années 80, Robert profite de l'essor économique de Toronto pour s'y dénicher un emploi dans le domaine de la construction. Régulièrement, il visite sa famille au Québec. C'est alors qu'il recommence à fréquenter son amour de jeunesse. La flamme renaît et en 1988, elle le rejoint à Toronto. Deux ans plus tard, ils décident tous deux de revenir à Victoriaville.
En 1992, le couple célèbre la naissance de sa première fillette et en 1995, celle de la deuxième. La conjointe de Robert est comblée. Malgré quelques écarts de conduite, il demeure un père et un homme exemplaire. Robert, il pouvait boire devant sa famille. Là. On fêtait Noël, il prenait... Oui, il buvait, là, puis il s'amusait avec toute la famille. Toute la famille, même, pourrait dire que c'était un clown. C'était un gars qui aimait beaucoup se faire du fun, mais toujours dans la gentillesse, là, quand même. Ça pouvait déborder. Quand c'était l'heure d'aller faire dodo, lui, des fois, il sentait le besoin de continuer. Robert profite souvent des moments où tout le monde dort profondément pour sortir de la maison. C'est ainsi qu'il parvient à dissimuler son alcoolisme à sa famille. C'est pas si rare que ça que des parents qui ont des problèmes de consommation soient des bons parents, s'arrangent pour consommer à des moments qui exposent pas leurs enfants à cette consommation-là ou qui mettent pas la sécurité de leurs enfants en péril. Donc, vont réussir à ne pas consommer quand les enfants sont là, vont les faire garder, vont partir sur une fin de semaine de consommation importante ou vont quitter la maison. Robert parvient à conjuguer ses problèmes de consommation d'alcool avec sa vie professionnelle et familiale. Mais après quelques années, sa dépendance commence à fragiliser sa vie de couple. Je pense que ça commençait à être problématique à l'âge de 27-28, là. Puis même que lui s'en rendait compte que c'était trop. Sa présence était un petit peu moins aussi avec nous parce qu'il avait peut-être plus besoin de consommer. La conjointe de Robert ne peut plus endurer son comportement et décide de le quitter. Robert ne se laisse pas abattre par cette rupture. Il rencontre rapidement une autre femme et retourne vivre à Toronto. Il conserve toutefois une bonne relation avec son ex-conjointe et ses filles. Il demeurait en Ontario là, à ce moment-là, mais il descendait 2-3 fois par année. Il venait y passer, même voir. On était tellement restés de bons amis. Là. C'est sûr que moi, je suis qui m'aimait encore. Puis même aujourd'hui, je pense qu'il aurait aimé ça que je revienne dans sa vie. Là. Même si Robert n'habite plus la même province, il parvient à garder des liens avec ses deux filles qui lui rendent visite durant leurs vacances. Mon père, c'était un gars vraiment gentil dans la vie de tous les jours. Il aimait vraiment ses enfants, là. C'était vraiment un bon père de famille, puis il nous emmenait tout le temps faire des activités, magasiner, puis il nous gâtait vraiment parce qu'on nous adorait, là, on était ses petites filles, puis il était fier de nous. Malgré sa nouvelle vie, Robert est toujours hanté par ses problèmes d'alcoolisme. Il se résout à s'inscrire dans un centre de désintoxication, mais rechute rapidement à sa sortie. Il est allé chercher de l'aide beaucoup, Robert. Beaucoup, puis même, je pense qu'il a fait quelques thérapies. Puis il avait même reçu des trophées, puis il était très fier, mais il était juste pas capable de tenir le bout, là, de continuer. C'était plus fort que lui, là, fallait qu'il manquait quelque chose. En 2004, Robert est victime d'un accident de travail. On lui prescrit alors des antidouleurs à base de morphine. Sous médication pendant plus d'un mois, Robert parvient à retourner au travail, mais il développe une grave dépendance à ses médicaments. Il participe alors à un programme pour toxicomanes, où il est traité à la méthadone. Souvent, on donne la méthadone pour gérer la diminution vers un sevrage complet. Donc, plutôt que de continuer à consommer, on va donner la méthadone comme traitement de substitution à cette drogue-là et sous supervision médicale. Donc, ça va être prescrit par un médecin. Robert réagit bien à la désintoxication, mais les contraintes liées à l'administration de la méthadone vont rapidement l'exaspérer.
La personne va chez son pharmacien et doit prendre son médicament sous supervision. Et il va revenir 2 ou 3 jours plus tard, reprendre son autre dose et ainsi de suite. Donc, c'est pas qu'on peut partir avec notre méthadone et la prendre comme on veut. C'est vraiment qu'elle est supervisée par le pharmacien, le médecin et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, il y a un côté très médical à ce traitement-là. Malgré la bonne volonté de Robert Blanchette de s'affranchir de sa dépendance à l'alcool et aux médicaments, il va dériver dans le monde de la drogue, où le danger est omniprésent. Après un accident de travail en 2004, Robert Blanchette développe une dépendance aux médicaments qui, cumulée à son problème d'alcoolisme, pourrait se révéler un cocktail désastreux. En février 2005, des problèmes de respiration le forcent finalement à quitter son emploi à Toronto. Il revient s'installer à Victoriaville, où il s'est fait offrir un nouvel emploi dans l'usine de moulure de son beau-frère. Il était un peu déstabilisé parce que là, il revenait dans le coin, puis on reprenait plus contact avec puisque ça faisait un bout qu'il était parti, qu'on le voyait pas souvent. Blanchette emménage alors chez une cousine. Habituée de fêtes arrosées et consommatrice de cocaïne, elle l'introduit à un nouveau cercle d'amis. Un mois plus tard, vers la fin mars, Robert Blanchette fait la rencontre de Julie. L'attirance entre les deux est indéniable et une semaine plus tard, Robert déménage chez elle. C'est sûr que le fait de côtoyer des gens qui... Je sais pas si... Je pense pas qu'il faisait exprès. En tout cas, il a rencontré une amie qui consommait, qui avait le problème, qui l'a vraiment pas aidé. Moi, je disais peut-être que tu devrais faire attention. Julie initie Blanchette à la cocaïne. L'homme y découvre un substitut aux médicaments qu'on lui prescrivait. Pour assouvir ses nouveaux besoins, Julie le met en contact avec un revendeur connu de la région, Dominique Derry. Le nouveau couple peut dépenser jusqu'à 400 $ en cocaïne en une seule fin de semaine. Mais à la fin du mois de mai, Blanchette, qui s'absente souvent de son travail, perd son emploi. Et le couple ne peut plus s'offrir autant de drogue. La dépendance de Blanchette devient de plus en plus grande et il va jusqu'à demander une avance à Dominique Derry. C'est un individu d'une trentaine d'années qui avait une réputation de vendeur de drogue. Et également, il y avait plusieurs dossiers pendants. Il y avait un dossier, entre autres, pour possession d'explosifs qui devait revenir devant le tribunal. Dominique Derry évolue dans les milieux criminels depuis plusieurs années. Mais derrière le revendeur de drogue à la réputation peu enviable, se cache une personne avec un grand cœur. Né en 1976 à Saint-Raymond-de-Portneuf, au nord de Québec, Dominique grandit sous le regard protecteur de son frère aîné. Mon père est parti, mes parents sont séparés. Puis mon Dominique était bébé naissant. Moi, je m'en ai tout le temps occupé. T'sais. Je l'ai même changé ses couches. Je le gardais quand j'étais jeune. Puis même à l'âge de 16 ans, il a voulu lâcher l'école. Puis c'est moi qui l'ai hébergé. Il est resté avec moi en appartement. Je lui ai trouvé son premier emploi. Je l'ai fait rentrer à l'usine où je travaillais. Puis ainsi de suite. On a tout le temps été bien, bien liés. On s'est tout le temps entraidés mutuellement sans. T'sais, tout le temps supporter un et l'autre. Là. Au maximum. En 1997, Dominique Derry vend déjà de la drogue lorsqu'il fait la rencontre de Mirlande, une jeune haïtienne adoptée en 1981 par la famille Pépin. Mirlande, quand elle est arrivée, ça faisait 2 ans qu'on attendait. Alors, on avait décidé d'aller en adoption internationale, puis elle est arrivée ici, elle est
Elle était toute petite, elle ne marchait pas encore. Elle avait 18 mois. Myrlande, c'était une fille qui était extrêmement sensible. Puis ce qu'elle laissait pas voir, elle laissait toujours voir qu'elle était forte. Mais je pense que c'est du fait qu'elle était noire. C'est quand même pas évident pour des enfants qui sont noirs de tomber dans toute une communauté de blancs. Elle avait vraiment un système de protection bien, bien fort. Et puis, elle était très enjouée. C'était une fille qui était très sportive là, à l'école. Elle participait. Tout ce qui s'organisait à l'école était très participante. Là. Elle était très joyeuse. Elle aimait la danse. Elle aimait la musique. Dominique et Myrlande ont tout pour former un couple harmonieux. Mais leur forte personnalité et leur jeune âge ont tout fait d'avoir raison de leur relation. Il y avait des turbulences dans la maison. Ils s'aimaient beaucoup. Je pense que Dominique, c'était une bonne personne. Et on le côtoyait, puis il était correct. Il était vraiment gentil, poli. Sauf qu'à un moment donné, un comme l'autre avait des caractères un peu bouillants. Puis il y avait des bonnes chicanes ensemble. En 1999, le jeune couple se quitte et se perd de vue. Myrlande rencontre un nouvel homme et 2 ans plus tard donne naissance à la petite Catherine. Quand la petite est arrivée au monde, Myrlande, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour son enfant. À ce moment-là, ça lui a donné du sérieux, ça voulait travailler, elle voulait gagner sa vie. Puis qu'est-ce qu'il y avait de beau là-dedans, c'est que malgré qu'elle vivait seule avec, puis elle vivait, elle n'avait pas des moyens comme les couples ont, c'est qu'elle voulait pas que sa fille elle manque de rien non plus. Elle s'était trouvée un appartement où il était plusieurs mères monoparentales qui vivaient dans ce bloc-là. Puis il y avait une entraide incroyable entre eux autres. De son côté, Dominique Derry commence à être violent et paranoïaque. Il perd alors son emploi avant d'être emmené à l'hôpital où il est diagnostiqué schizophrène. C'est tout le temps des essais-erreurs, dans le fond. Il donne des médicaments, mais ça marche pas, on va t'en donner d'autres choses. Puis c'est dans ces périodes-là qu'il pouvait être violent. Puis à un moment donné, il y a eu une période violente. Que là, il avait même fait des menaces un peu à ma mère. Puis là, c'est là que j'ai dit, oups, là, ça marche plus. T'sais, parce que là, il était rendu. Il a fait des menaces à ma mère. Puis un coup, qu'il revenait à lui. Là, il disait, voyons, je me comprends pas. T'sais, jamais je t'aurais fait ça, mais. Les symptômes de Dominique sont finalement contrôlés par la médication. Sans emploi, la vente de drogue devient alors sa principale source de revenus. Il ne pouvait plus travailler, tout ça, vu qu'il était si rendu schizophrène, puis qu'il n'avait pas d'argent, tout ça, puis il vendait de la drogue. Chez eux, il était pas loin d'un bar, tout ça, puis le monde passait à aller chercher de la drogue. Moi et ma mère, on disait, arrête ça, tu sais, déjà là, ça l'aide pas à ta maladie, parce que là, tu fais encore plus paranoïé, tu sais. En mai 2005, Dominique et Myrlande reprennent contact. J'étais pas vraiment d'accord, mon mari non plus, à ce qu'ils soient ensemble, parce que on était vraiment inquiètes. Parce qu'évidemment, là, c'était plus le même contexte. Myrlande avait sa petite fille avec elle, et puis ça nous inquiétait vraiment beaucoup parce qu'on savait que Dominique était dans le milieu de la drogue. Alors, moi, j'avais dit que j'appuyais pas cette. Leur relation. Myrlande se sent pourtant en sécurité lorsqu'elle est chez Dominique avec sa fille Catherine, qui a maintenant 4 ans. Elle entretient l'espoir que leur relation change le tempérament fougueux de Dominique. La manière qu'il parlait d'elle, c'est pas un homme qui va se démontrer beaucoup, tu sais, avec des petits sourires coquins ou. Mais non, tu vois, quelqu'un qui parlait de Myrlande, ça venait du cœur. Dominique annonce même à Myrlande qu'il compte bientôt arrêter de vendre de la drogue pour vivre une vie normale avec elle et sa fille. Il était rendu probablement à un point où c'est qu'il était peut-être tanné. Il avait atteint son but, probablement, au niveau de mettre assez d'argent de côté, parce que sur une aide sociale, tu peux pas te mettre vraiment 5$ de côté par mois. Probablement, c'est ça. Il est arrivé à son but. Puis, en plus, avec la blonde qu'il avait,
qu'elle va retourner comme genre, retombe en amour. Le monde de la drogue est un milieu où le danger peut surprendre à tout moment. Dominique Derry parviendra-t-il à en sortir avant qu'il ne soit trop tard? Au printemps 2005, Dominique Derry, un revendeur de drogue de Victoriaville, projette de mettre ses activités illégales de côté pour vivre une vie plus saine avec sa copine Mirlande et sa fillette de 4 ans, Catherine. Dominique Derry a cependant encore quelques clients, notamment Robert Blanchette, qui lui achète régulièrement de la cocaïne. Vers la fin mai, Blanchette se retrouve sans argent après avoir perdu son emploi. Sa dépendance à la drogue l'amène à contracter une dette auprès de son revendeur, qu'il jure lui rembourser à leur prochaine rencontre. Mais quelques jours plus tard, Blanchette se représente chez Dominique sans la somme d'argent due. Fâché, le revendeur lui fait clairement comprendre qu'il ne veut plus jamais le revoir chez lui. Mais le 3 juin, malgré l'avertissement de Derry, Blanchette va oser se représenter chez lui. Cette journée-là, Blanchette et sa copine Julie soupent chez la mère de celle-ci. Ils reviennent ensuite à leur appartement. Et comme à son habitude, Blanchette a envie de faire la fête. Quand Julie sort un sachet de cocaïne, il est plus que content. Tout dépendamment de comment la cocaïne est consommée, l'espèce de high, donc l'intoxication qui vient avec, peut être dans les quelques minutes jusqu'à une demi-heure qui suivent la consommation. Et les effets peuvent se faire sentir sur plusieurs heures, mais au bout d'une heure, une heure et demie, déjà, on commence à ressentir là, les effets du manque. La nuit est encore jeune et Blanchette voudrait continuer à fêter. Mais le sachet de cocaïne est vide et l'envie d'en consommer davantage se fait grandissante. Il y a une espèce de courbe, en fait. Là, il y a le high avec le point culminant là, qui est le top de la consommation d'intoxication où les gens vraiment sont dans l'euphorie et ainsi de suite. Puis après ça, les effets commencent à diminuer. On commence à soit s'en prendre l'alcool dessoulé ou si c'est de la cocaïne, bien ressentir là, l'espèce de down qui est assez typique d'une après-consommation où ils se sentent vraiment là, plus affaissés, plus déprimés, plus... Quand on consomme en plus de l'alcool, bon, ben la courbe est un peu plus allongée. Blanchette tente de convaincre Julie d'aller acheter d'autres cocaïnes. Mais elle travaille le lendemain et voudrait se coucher tôt. Exaspérée par les supplications de Blanchette, Julie lui répond de faire ce qui lui plaît. Il prétend alors aller faire un tour de vélo. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend chez Dominique Derry. Au milieu de la nuit, Blanchette sonne à la porte de Dominique. Blanchette lui demande alors pour une seconde fois de lui fournir de la cocaïne en lui promettant de le payer plus tard. Mais Derry refuse. Blanchette insiste et ne quitte pas les lieux. Derry fait alors semblant de céder à ses demandes. C'est pas je veux consommer, c'est je dois consommer. Là. Je dois réduire cet état interne qui est si intolérable, si difficile pour satisfaire ce besoin-là. On est vraiment dans une théorie qui postule que c'est un besoin presque physiologique. Il disparaît dans la cuisine. Avant de revenir, une main cachée dans le dos.
La version qu'on a souvent entendue au tribunal ou par la police à l'époque, c'était que monsieur l'avait enfoncé un couteau sous la gorge, mais un gros couteau de cuisine, un truc comme une trentaine de centimètres de long, quelque chose du genre. Fait que probablement un et l'autre ont pris panique et le couteau s'est reviré contre Dominique Derry. Blanchette parvient à enlever le couteau des mains de Derry. Il tente alors de lui trancher la gorge, mais il ne fait que l'effleurer. Et le combat continue. Quelques secondes plus tard, Blanchette poignarde Derry au niveau du thorax. Cette fois, le coup est fatal. Le cœur et les poumons sont perforés. Debout à côté de sa victime, Blanchette relève la tête et entrevoit alors Mirland. Effrayée, la jeune femme se réfugie rapidement dans sa chambre. Mais Blanchette, couteau à la main, la rejoint. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête, mais ça laisse supposer en tout cas une rage tellement grande qu'il n'y a pas de capacité de se contrôler, s'inhiber, de revenir à la raison. Mirland hurle. Et sa fille apparaît sur le seuil de la porte. Apeurée, la petite retourne aussitôt dans sa chambre. Cachée, Catherine entend sa mère se débattre. Blanchette la poignarde à plusieurs reprises. Le dernier coup de couteau sectionne une artère coronaire et elle perd beaucoup de sang. Le deuxième crime est d'une violence presque plus grande que le premier. Hein? Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est que la colère continue à monter, puis gonfler, puis qu'il n'arrivait pas à contrôler. Mais c'est quand même difficile à comprendre. Blanchette ne tient pas compte de la présence de la petite Catherine dans l'appartement et se dirige dans la cuisine à la recherche de drogue. Comme il n'en trouve pas, il ouvre le portefeuille de Derry et prend l'argent qu'il contient avant de quitter les lieux. Mirland sort alors de sa chambre et s'effondre sur le sol. Blanchette laisse les deux cadavres derrière lui et se rend directement chez sa cousine qui habite à 500 mètres des lieux du crime. Il lui explique ce qu'il vient de faire et l'oblige à garder le silence. Il lui demande aussi de lui prêter des vêtements propres. Vers 2h du matin, Blanchette revient chez lui. Son agitation éveille Julie, mais elle feint de dormir. Il appelle alors sa cousine pour lui rappeler de ne pas parler. Et lui fait part de son plan, aller nettoyer ses traces. Il prend d'abord une douche avant d'enfiler ses propres vêtements. Robert Blanchette se prépare à retourner sur la scène du crime où se trouve encore la petite Catherine, l'unique témoin du double meurtre. Le 3 juin 2005, Robert Blanchette, en manque de cocaïne, tente de convaincre son revendeur, Dominique Derry, de lui donner de la drogue en lui promettant de le payer plus tard. Derry refuse. Une bataille s'ensuit, au cours de laquelle Blanchette poignarde Derry et sa copine, Mirland, avant de s'enfuir avec l'argent qu'il a volé. Peu de temps après,
il décide de retourner sur les lieux afin d'effacer les traces de son crime. Mais l'appel de la drogue est trop fort. Il a pris un taxi pour se rendre quelque part d'autre en ville chez un autre vendeur de drogue pour se procurer de la cocaïne. Le chauffeur de taxi a été payé avec un billet de 20$ ensanglanté. Blanchette retourne ensuite chez sa cousine et consomme avec elle la cocaïne qu'il vient d'acheter. Les gestes qu'il vient de commettre le tourmentent. Il prend un couteau et le dirige contre lui. Mais il est arrêté à temps par sa cousine. Blanchette revient chez lui à 6h30 du matin, complètement intoxiquée. Julie est déjà debout et s'étonne de le voir dans un tel état. Sa coupure à la main et ses égratignures aux jambes l'inquiètent. Blanchette lui raconte qu'il a eu un accrochage avec un chauffeur de taxi et refuse l'offre de Julie de se rendre à l'hôpital. Pour changer d'apparence, Blanchette se rase les cheveux. Puis, il donne 20$ à Julie en lui demandant d'aller lui acheter du matériel de premiers soins à la pharmacie. Julie remarque que le billet est taché de sang et découvre une liasse de billets également tachée. Elle est convaincue qu'il a été impliqué dans une affaire grave. À 10h30, un client de Dominique Derry découvre la scène du crime. Il y a quelqu'un qui voulait aller, parce que comme c'était un point de vente de drogue, qui voulait aller s'acheter sa dose quotidienne, je ne sais trop, s'est pointé à cet endroit-là et a trouvé les deux corps à l'intérieur de l'appartement. Ils ont communiqué avec les policiers. Le premier agent dépêché sur les lieux pénètre dans l'appartement. Il s'approche des corps de Mirlande et de Dominique pour prendre leur pouls et découvre la petite fille assise dans le salon. Le policier sort rapidement la petite de l'appartement et la confie aux ambulanciers. Les policiers ont passé la journée complète à partir de 11h le matin jusqu'à 4h dans la nuit. Ils ont passé presque 18h sur place à recueillir des indices. On a même fouillé des regards d'égout. On a fouillé, il y avait une voiture à côté qu'on a observé les empreintes digitales. On a tout fait. Il y avait même des traces qu'on a voulu vérifier sur le perron de la maison, etc. Blanchette est complètement dépassée par les événements. Lorsque Julie revient de la pharmacie, elle le retrouve en train de consommer. S'il a pris conscience de ce qu'il a fait, si c'est quelqu'un qui est capable d'empathie, il est capable de remords aussi, probablement que une des façons de gérer les émotions très intenses, c'est de consommer. Hein. C'est le propre de la consommation aussi. C'est un élément très, très fort, un déclencheur de consommation important. C'est les moments de grande joie ou les grands moments de grande honte ou culpabilité. Donc, c'est une façon de passer à travers les mauvais moments aussi. Donc, on peut penser qu'il a consommé parce que les remords étaient présents, parce qu'il savait qu'il était dans le trouble. La nouvelle du double meurtre est rapidement diffusée dans les médias. Blanchette devient de plus en plus nerveuse.
et contacte sa cousine à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle ne l'incrimine pas. Les proches de Dominique Derry et Myrlande Pépin ne peuvent contenir leur tristesse lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Quand on a j'ai eu cette nouvelle-là, on dirait qu'on a là-dedans, nous autres, quelque chose qui nous donne de, un surplus, de, pas d'énergie, mais une certaine protection qui nous permet de continuer à fonctionner ou à réussir à communiquer ou à parler aux gens. Sinon, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas, on s'écroulerait. Les parents de Myrlande se rendent aussitôt à l'hôpital pour voir Catherine et s'assurer qu'elle est saine et sauve. Tant que j'ai pas vu la petite, j'ai pas cru ce qu'il m'avait dit. C'est quand on est arrivé à l'hôpital, on a vu la petite. C'est elle qui nous a dit « ma main est morte ». Pendant ce temps, l'enquête des policiers progresse. Ils sont déjà sur la piste d'un premier suspect. Au départ, ils pensaient que c'était l'ex à Myrlande parce qu'il avait fait des menaces. Puis qu'il était chez, il était en avant de chez Dominique les jours précédents. Puis qu'il surveillait la maison parce que Myrlande était... Il savait que Myrlande retournerait rester là. Il a surveillé, il a fini de surveiller ses fiches, puis avec qui il était, tout ça. Fait que les policiers ont soupçonné lui. Les enquêteurs décuplent leurs efforts afin de retrouver cet homme. Et ils parviennent à le localiser en un temps record. T'sais, on trouve un corps à 11 h. À 15 h, on aurait peut-être un suspect potentiel. Et en plus, on le trouve sur une piste cyclable. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va leur compte. En tout cas, le gars, il a été amené au poste de police, etc. Il a été interrogé pendant de longues heures pour s'apercevoir qu'il n'y avait rien à voir avec le crime là, qui était survenu. La piste des enquêteurs s'évanouit sans leur donner de nouvelles informations sur le double homicide. Le meurtrier est jugé extrêmement dangereux. Parviendront-ils à retracer Robert Blanchette avant qu'il ne commette d'autres crimes? Le samedi 4 juin 2005 à Victoriaville, des enquêteurs découvrent Catherine, une fillette de 4 ans, entre les corps de sa mère, Myrlande Pépin, et du copain de celle-ci, Dominique Derry, tous les deux tués par Robert Blanchette. Le 5 juin, le comportement étrange de Blanchette et les nouvelles des journaux éveillent les soupçons de sa copine Julie. Elle communique alors avec les autorités pour leur faire part des agissements de son copain durant la fin de semaine. Le témoignage de Julie mène les enquêteurs chez la cousine de Blanchette. Et le lundi suivant, il se présente chez elle avec un mandat de perquisition. Interrogée, la cousine indique le lieu où elle a caché le couteau laissé chez elle par Blanchette. Une analyse confirme que le sang retrouvé sur le couteau appartient à Dominique Derry et Myrlande Pépin. Sans perdre de temps, les enquêteurs dépêchent une équipe pour procéder à l'arrestation de Blanchette. La police fait irruption dans l'appartement de Blanchette alors qu'il dort. Surpris, il se lève en sursaut et empoigne un couteau qui est sur sa table de chevet. Blanchette est sommée de laisser tomber son arme. Contre toute attente, il décide de retourner le couteau contre lui. Mais il est aussitôt neutralisé par un pistolet électrique. Blanchette est transportée à l'hôpital pour soigner les blessures qu'il s'est infligées. Quand il a comparu en après-midi, le lundi après-midi à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca, il était intubé à ce moment-là avec greffière, procureur de la Couronne et procureur de la Défense. Le 16 mars 2006,
9 mois après les meurtres de Dominique Derry et Myrlande Pépin, l'enquête préliminaire de Robert Blanchette s'ouvre au palais de justice de Victoriaville. Plusieurs témoins sont entendus, mais Blanchette, lui, ne témoigne pas. Le 3 mai, Blanchette plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. La version officielle retenue par la cour choque plusieurs proches des victimes. La version de M. Blanchette, c'était que Dominique l'avait attaqué avec un couteau, qu'il avait enlevé, il l'avait pogné à la gorge, qu'il avait enlevé le couteau à Dominique, puis que là, il l'avait piqué, quelque chose de même. Puis l'enquêteur était dans le coin. Puis moi, j'ai regardé l'enquêteur, j'ai dit... Là, je disais, voyons donc, si Dominique avait pris le couteau, ses empreintes digitales seraient dessus. J'ai regardé l'enquêteur, puis j'ai demandé, les empreintes digitales, t'es-tu sur le couteau? Les empreintes de Dominique, t'es-tu sur le couteau? Et moi, juste fait signe qu'il pouvait plus parler. Son travail était fait, puis il avait plus le droit de parler, là. La version donnée par Blanchette serait différente que celle imaginée par les proches suite à des discussions avec les policiers. La première chose, il me dit, regarde, inquiète-toi pas, Dominique, il a pas souffert, il a pas eu rien, il a eu le temps de rien voir, il a eu un coup de couteau, puis probablement, il l'aurait attaqué par en arrière parce qu'il était assis à la table d'entrée, il était en train de faire quelque chose à la table, puis que le meurtrier était passé en arrière, puis il dit, il a eu un au premier coup de couteau, il était vraiment mortel. Là, je lui demandais, pourquoi vous dites le premier, il dit, regarde, il y avait des bas blancs dans les pieds, puis dessous de ses bas, il est encore blanc. Fait qu'il a même pas fait un pas dans une goutte de sang. Le 8 février 2007, Robert Blanchette écope d'une peine d'emprisonnement de 15 ans, sans possibilité de libération avant 7 ans. C'est surtout ma mère qui nous a le plus aidés parce que elle nous disait tout le temps « Ton père, c'est un bon gars » puis elle nous a jamais interdit de le voir. Je pense que mon père nous a donné une leçon de vie en même temps parce que, de un, parce que on sait qu'est-ce que on sait les conséquences que ça peut faire. Puis on veut jamais devenir accro à une drogue puis jamais on va toucher à ça puisque... Mon père, on a la preuve que qu'est-ce que ça peut faire. Quand les jeunes sont dedans, ils s'imaginent pas qu'il peut arriver des choses comme ça. Je suis certaine que notre fille n'a jamais pensé que ça pouvait arriver. Si on pouvait-tu en convaincre seulement de pas aller jouer dans ce milieu-là, là? Ça serait déjà ça de prix. Les membres de la famille Pépin auront malgré tout réussi à traverser cet horrible drame. Le fait que la petite, la fille de Myrlande, survive à ça, ça a été vraiment un soulagement pour nous autres. Ça a été plus facile d'accepter le départ de Myrlande, malgré que ça nous a pris beaucoup de temps avant de... réussir à l'accepter, mais ça nous a aidé à l'accepter. Elle avait seulement 4 ans, puis elle le disait, « Moi, je veux que la vie continue. » Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait du mieux qu'on pouvait. Notre peine, on lui cachait. Et puis, on a quand même réussi à faire une petite fille qui vit normalement, qui est pleine d'espoir dans la vie, qui a beaucoup de projets, elle aussi. Elle a le côté de sa mère d'avoir des projets plein la tête tout le temps. Robert Blanchette était un homme bon, qui aimait la vie et avoir du plaisir. Il a tenté de son mieux de s'affranchir de ses dépendances, mais s'est rapidement fait prendre dans un engrenage. En perte de contrôle, sa décision de prendre de la cocaïne aura mené ce père de famille au pire. Un choix qu'il aurait pu éviter. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?
Cette émission vous est présentée avec vidéo description. On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les portes n'ont jamais barré chez eux. Tu rentrais là n'importe quel temps. Lucie, elle se disait, s'ils veulent voler, ben ils ne casseront pas ma porte. Tout le monde alentour, même les sœurs à Lucie, ça n'attendait même pas. Puis tu penseras jamais ça dans ta famille, là. Ça va arriver, là. On pense tôt, ça arrive pas dans nos alentours, là, mais tu vois rien venir. Jeudi 8 septembre 2011, Lynn Lefebvre tente de joindre son amie Lucie Johnson sur Internet. Elle me répond pas, puis Lucie était toujours là pour moi, là. C'était ma couverte, tu sais, c'est ma doudou. Elle me répondait pas, fait que je trouvais ça un peu bizarre, mais après ça, je me disais, OK, peut-être qu'il y a de quoi avec Pat, mais elle m'appellerait, ou elle est peut-être juste trop poignée là-dedans, puis elle va m'appeler plus tard. Le lendemain, Lucie ne donne toujours pas de nouvelles. Son fils Patrick et son mari Denis Lagacé sont également impossibles à joindre. Il y a eu des courriels et effectivement des appels téléphoniques qui ont été faits pour tenter de rejoindre le couple, mais personne n'a cru bon se rendre ou alerter les policiers par rapport à leur absence à ce moment-là. Le vendredi 9 septembre, les corps de Lucie, celui de son conjoint Denis et de son fils Patrick, sont découverts dans le salon de la résidence familiale. Le 4 juillet 1979, à Gatineau, Lucie Johnson donne naissance à Patrick. Mais le bonheur de Lucie sera de courte durée. Peu de temps après la naissance de son fils, le tempérament de son conjoint change pour le pire. En 1981, pour sa sécurité et celle de Patrick, Lucie décide de le quitter et déménage seule avec son fils. L'enfant se retrouve avec sa mère. Il est fort probable qu'ils aient développé, puisqu'ils étaient seuls, lui et sa mère, une relation fusionnelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans une relation fusionnelle, l'individu n'existe pas. Il y a une fusion, c'est-à-dire que c'est pas même collé ensemble, c'est fusionné, ce qui fait qu'on ne peut plus les séparer sans les déchirer. Chaque élément perd son identité propre, et donc à ce moment-là, l'un ne peut pas exister sans l'autre, ce qui fait qu'on crée une dépendance qui est extrêmement anxiogène. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Si je perds l'autre, je me perds, je n'existe plus. Mère monoparentale, Lucie bénéficie de l'aide sociale pour subvenir aux besoins de son fils, avant de trouver de petits emplois qui lui permettent d'améliorer leur qualité de vie. En 1987, le destin lui sourit. Lucie rencontre un nouvel homme par l'entremise d'une amie. Denis Lagacé est issu d'une grande famille vivant à Gatineau. Divorcé et père d'une adolescente, c'est un homme timide et sensible. Quand on était ensemble, on parlait de pas mal tout et de rien. Parler de nos sentiments, de vie comme telle, c'est un peu plus rare parce que mon père, c'est une personne réservée. Il ne disait pas un mot plus haut que l'autre.
Mais par exemple, quand c'était trop, par exemple. C'était... c'était assez. Moi, il m'écoutait. Quand je parlais avec lui, il m'écoutait. Moi, j'avais des problèmes, j'allais le voir aussi. On parlait tous les deux des choses de la vie. En fait, le caractère, Denis avait un bon caractère. En 1989, deux ans après leur première rencontre, Lucie et Denis emménagent ensemble. Ils s'arrangeaient tout le temps bien, là. Ils s'arrangeaient bien. C'est comme tout le monde, ils ont des chicanes comme tout le monde, comme d'autres on a aussi, là, mais... C'est comme ce qu'on a... Quand tu voyais Lucie et Denis, tu voyais un couple formidable, là. C'est des gens bien heureux, puis le kit. Lucie est comblée par Denis, qui n'hésite pas à se dévouer pour Patrick. Denis, c'est un travaillant. Seigneur, il portait Lucie sur la main. Le petit, il manquait jamais de rien. Pas qu'il en manquait avant, parce que sa mère faisait tout le temps sûr qu'il manque pas, là, je veux dire, mais... Tu sais, là, il pouvait combiner deux salaires, mettons, puis vivre une meilleure vie, là. Si les deux parents sont réjouis par leur nouvelle vie de couple, les deux enfants, eux, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile parce que, c'est ça, tu sais, il y a eu des conflits, là, tu sais, avec les parents. Toujours des conflits dans ces moments-là. Mais, c'est ça, au début, c'était un petit peu plus difficile, là, à accepter puis à essayer de se mettre de même niveau, là. J'étais quand même adolescente, puis... difficile, une bonne tête dure, là, tu sais. Fait que c'est plus difficile à m'adouer, là. Patrick éprouve lui aussi de la difficulté à s'ajuster à cette nouvelle vie familiale. L'enfant, lui, devrait normalement avoir un homme, de préférence son père, pour dire, écoute, mon petit bonhomme, tu peux l'aimer, ta mère, mais c'est ma femme. Et donc, à ce moment-là, il faut que lui, le petit bonhomme, il se trouve d'autres solutions pour satisfaire ses pulsions et puis ses relations avec les autres. Et donc, à ce moment-là, si l'homme n'est pas là, ben, il va fixer sur sa mère. Là, il arrive un homme, Denis. Denis, que beau être le bon gars, le type qui semble l'apprécier, l'aimer, et puis tout ça, mais il reste que, quelque part, il y a toujours un ressentiment. Durant les études secondaires de Patrick, Lucie fait de sa réussite scolaire une priorité absolue et n'accepte aucun échec. Elle nourrit de grandes aspirations pour son fils unique et voudrait à tout prix qu'il exerce une profession libérale. Lucie était vraiment exigeante avec son fils, avec Pat. Elle voulait en faire peut-être un avocat ou un ministre ou whatever, là, ça, je ne comprends pas ça. Puis, c'est une mère couveuse. Moi, j'appelle ça une mère couveuse, qui garde tout le temps son bébé en dessous de sa jupe, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue, Lucie. Puis, elle a toujours été vraiment exigeante avec Pat, toujours, toujours, toujours. Tant qu'à moi, Pat n'aurait jamais fait rien fait demain que Lucie parlait, là, c'est là. Mais Patrick éprouve des difficultés à l'école. Et malgré ses efforts, il n'arrive pas à satisfaire les ambitions de sa mère. Les enfants ont des antennes qui sont paraboliques, des façons de voir à travers les parents et sentir les émotions que les parents n'arrivent même pas à sentir eux-mêmes. Alors donc, tout ce qu'il y avait comme anxiété, angoisse, tout ce qu'il y avait comme déception, tout ça, l'enfant va ressentir ça parce qu'il est en relation fusionnelle. Lucie ne réalise pas que la pression qu'elle exerce sur son fils l'affecte grandement. Vers 15 ans, Patrick souffre d'un mal de vivre. Malgré les tentatives de ses proches de comprendre ce qui l'afflige, personne ne se doute de la gravité de son état.
Patrick tente à deux reprises de mettre fin à ses jours. La première fois, il prend plusieurs cachets d'acétaminophène et la deuxième fois, il ingurgite du javelisant. On dit souvent que ce que la personne veut, c'est pas de mourir, mais de cesser de souffrir. Et en même temps, quand on est adolescent, on cherche parfois à dire aux autres, écoute, ça va tellement mal chez moi que j'avais pas l'air à voir ça. Et donc, à ce moment-là, on va poser un geste, et c'est sûrement ce que Patrick a fait, en faisant ce qu'on appelle des tentatives de suicide, c'est d'attirer l'attention sur lui pour qu'on s'occupe de lui. Les derniers gestes de Patrick Mongeon-Johnson sont d'une gravité bouleversante. Saura-t-on entendre son appel à l'aide avant qu'il ne commette l'irréparable? En 1997, la famille recomposée de Lucy Johnson et Denis Lagacé semble filer le parfait bonheur. Mais Patrick, le fils de Lucy, souffre secrètement des ambitions que sa mère nourrit pour lui. Patrick parvient de peine et de misère à terminer ses études secondaires. Il n'arrive pas cependant à poursuivre les rêves d'études supérieures que sa mère entretenait pour lui et décide de suivre sa propre voie en s'inscrivant à des cours de conduite de camion. Alors qu'il fait son entrée sur le marché du travail, le jeune Patrick fait aussi le saut dans l'âge adulte. C'était pas un gars qui avait toujours le sourire, là. Tu sais, c'est sûr et certain, on était en famille, tout ça. Là, il était plus heureux, il était plus... comme dans la semaine, ces choses-là, là, quand il finissait de travailler, là, tu voyais là, que c'était une journée de travail, puis garde, j'allais moi pas, là. J'ai fait ma journée, puis... Mais à part ça, Patrick, c'était une personne qui était quand même assez isolée. Patrick est insatisfait des responsabilités qui lui sont confiées dans les entreprises où il travaille et quitte emploi après emploi. Des fois, Patrick était tellement négatif et tout ça, puis malgré que Lucie, mon père, il parlait, des fois, Lucie me demandait de parler à Patrick. Puis que j'ai expliqué que Patrick, faut que tu commences par le bas, puis qu'il faut que tu fasses tes preuves, puis là ben, il disait toujours, ben oui, mais la sœur, j'ai fait mes preuves, puis je suis toujours à l'ouvrage, puis tu sais, je manque pas d'ouvrage, puis lui, je disais, mais oui, mais ça fait rien, ça, faut continuer, faut pas lâcher. Patrick tente sa chance comme agent de sécurité. Mais encore une fois, il se décourage rapidement par la lenteur de son ascension dans la hiérarchie de l'entreprise et quitte son poste. Patrick a travaillé comme agent de sécurité, ce qui lui a permis d'obtenir une possession d'armes à feu et à ce moment-là, d'avoir le droit de posséder une arme de poing. À ce moment-là, Patrick est devenu très possessif des armes à feu. Le jeune homme prend soin de son revolver. Il possède chez lui tout le matériel nécessaire à l'entreposage et l'entretien des armes à feu. Au fil des années, Patrick tente à plusieurs reprises de s'affranchir en emménageant dans son propre appartement. Mais son instabilité professionnelle entraîne de faibles revenus et il se voit toujours forcé de regagner le domicile familial. Je pense que Pat, depuis l'âge de 21 ans, qui faisait ça, là, qui partait, il revenait, partait, revenait, partait, il venait, parce qu'il savait que la porte était toujours ouverte à la maison. Il disait, bon, OK, on va te garder pour 3 mois, 6 mois d'en mettre ses pieds, mais
Ça durait une année, ça durait deux ans, trois ans, puis elle partait, elle revenait. En 2005, Patrick, qui est maintenant âgé de 26 ans, est conducteur d'un camion malaxeur pour une entreprise de la région de Gatineau, lorsqu'il est impliqué dans un accident. Au volant de son camion, il négocie mal une sortie de route et endommage le véhicule de la compagnie. Honteux, il quitte son poste. Quelques semaines plus tard, Patrick décide de changer d'environnement. Il quitte Gatineau pour l'Ouest canadien, où les offres d'emploi sont plus nombreuses et promettent de meilleurs salaires. Dans la région d'Outaouais, dans le temps, que Pat est parti dans l'Ouest parce qu'il voulait chauffer des gros camions dans les carrières à ciment. Et puis, c'est ça, il n'y a pas d'emploi ici. Fait que, en s'en allant là-bas, il savait que tout le monde allait travailler dans l'Ouest dans le temps aussi parce que l'arrivée vers le pétrole a commencé à augmenter. Puis il y avait tellement d'emplois là-bas, fait qu'il est parti de là-bas pour ça. Dans l'Ouest canadien, Patrick déniche rapidement un emploi de camionneur. C'est durant ce voyage que sa passion pour les armes à feu devient plus importante. Il se procure plusieurs fusils et n'hésite pas à en transporter avec lui. On sait qu'il aime beaucoup les armes à feu. Pour cette raison-là, il y en a eu plusieurs, des armes de poing également, qu'il a revendues, il en a acheté d'autres. On sait qu'il a fait beaucoup d'achats et d'échanges au niveau des armes à feu. Patrick, c'est une personne qui aimait les armes à feu. Patrick avait un amour pour les armes. Il aimait ça. Il aimait ça faire venir des morceaux, modifier les armes, les mettre plus belles. Tu sais, c'était comme. Je le voyais comme un collectionneur. Une grande partie de l'argent que Patrick gagne est engloutie dans cette activité. Il dépense le reste en sortie, au point où il doit s'endetter. En Alberta, il a monté ses cartes de crédit, il s'achetait des billets de loterie pour gagner, pour payer ses cartes de crédit. C'est un cercle vicieux, hein? Fait qu'il gagnait pas, fait qu'il continuait à acheter des billets de loterie avec ses cartes de crédit pour gagner assez pour payer sa carte de crédit. Pendant cette période, Patrick, qui malgré la distance a conservé un lien très étroit avec sa mère, l'appelle régulièrement. C'était toujours de se plaindre. Puis Lucie avait beau essayer de l'encourager et tout ça, mais il restait découragé. Là. Tu sais, c'était du négatif un peu. Puis c'est ça, c'est la même chose. Mon père, dans ce temps-là aussi, essayait de l'encourager. Patrick espérait améliorer son statut financier en s'exilant en Alberta. Mais l'expérience semble se transformer en véritable cauchemar. Il paraîtrait que ses cartes de crédit, là, ils étaient toutes à la limite. Fait que Denis a dit, on va te reprendre pour 6 mois, on te chargera pas rien. Puis dans 6 mois, on aimerait ça que tes choses soient toutes payées. Tu sais, tu vas avoir le temps de te remettre sur tes pieds. Patrick accepte l'offre de son beau-père. Et en octobre 2009, 4 ans après être parti en Alberta, il revient vivre à la maison familiale. Il lui chargea pas de pension conditionnelle à ce qu'il paye ses choses pour ses lunchs, sa lessive, à ranger la cave. Il a tout réaménagé la cave au lieu de s'acheter une table de poule. Il a laissé de la place pour le jeune, pour lui montrer au moins son respect et son amour. Là. Ce retour dans la famille est bénéfique pour Patrick. Son attitude change. Il est souriant. Et semble vouloir se remettre sur le droit chemin. Lucie ose de nouveau espérer le meilleur pour son fils. Lucie aurait aimé juste ça qui se classe, son gars, là, qu'il ait une femme, des enfants, la petite maison avec la petite clôture, puis tu sais, qu'il soit bien, son gars. Tu sais, quand ton enfant est pas bien, là, c'est parce qu'il savait qu'il était pas bien. En 2010, un an après être rentré de l'Ouest canadien, Patrick habite toujours chez ses parents. Même s'il s'est trouvé un nouvel emploi de camionneur, il dépense toujours son argent en sortie nocturne. À 31 ans, Patrick doit souvent faire face aux réprimandes de Lucie et de Denis, qui voudraient le voir mieux gérer sa vie.
Il sentait la pression de sa mère, mais elle avait raison aussi, là. Tu sais, quand t'es rendu à 30 ans, t'es encore à la maison. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Oui, tu peux pas mettre ton enfant dehors, ça, si tu comprends pas ça, là. Mais faut que tu l'aides aussi, là. Ils l'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient, les deux, là. Lucie et Denis, là, ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé, ils ont donné tout ce qu'ils voulaient, puis ils en voulaient encore plus. Alors donc, il se développe énormément de frustration. On peut parler d'une espèce de bombe qui se prépare. Et puis, à un moment donné, il y a des étincelles. Et puis, les étincelles sont reliées à l'impulsivité, au manque de contrôle que Patrick vit. Et puis, il ne peut pas régler les conflits. Et à un moment donné, ça devient insupportable. Durant l'été 2011, le comportement de Patrick devient de plus en plus étrange. Lors d'une sortie de pêche avec un ami, il sort son fusil et, sans crier gare, commence à tirer dans l'eau. Une arme à feu qu'un ami m'a raconté que Patrick apportait avec lui à la pêche et qu'à un moment donné, il a décidé de s'en servir pour tirer un peu partout au hasard sur le lac là, où il pêchait. Son ami trouvait la situation un peu malaisante, lui a même enlevé l'arme et enlevé les balles qu'elle contenait à ce moment-là. Patrick est de plus en plus tourmenté. Il possède plusieurs armes chez lui et sa passion grandissante envers elle pourrait devenir dangereuse. En 2009, Patrick Mongeon-Johnson revient endetté d'un voyage de 4 ans en Alberta. Âgé de 30 ans, il revient vivre chez sa mère Lucie et son beau-père Denis pour se remettre sur pied. Mais un an plus tard, malgré l'aide de sa famille, Patrick n'a toujours pas mis d'ordre dans sa vie. Il y en a qui seront surpris de voir que Patrick était toujours chez ses parents. Ça démontre jusqu'à un certain point cette incapacité de quitter le nid. Hein? Et il y a un nom pour ça, les enfants Tanguy. Mais il reste que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité. Le monde est dangereux. Le monde pourrait me découvrir. Le monde pourrait voir que je ne suis qu'un pauvre type. Je suis faible, je suis vulnérable. Je suis pas capable de m'occuper de moi-même. Je sais pas comment gérer l'argent. De toute façon, il y a personne qui va m'aimer. Alors, je vais rester dans ce qui est connu plutôt que de m'aventurer. En 2010, Patrick reprend contact avec son père. Il avait repris des liens avec son père, là, puis ça semblait bien aller, là. Moi, il m'en parlait pas plus que ça. Fait que, puis ben, naturellement, il en parlait pas plus que ça dans la maison non plus, là. Tu sais, parce que je pense que ça a fait un peu de... Ça a fait un peu de peine à mon père comme tel, puis un peu de peine à Lucie, le fait que il retourne voir son père, là. Mais les retrouvailles ne semblent pas améliorer l'état de Patrick. En 2011, il commence à éprouver de sérieux problèmes d'anxiété. Il consulte alors un médecin qui lui prescrit des somnifères. Mais Patrick refuse rapidement de prendre les médicaments prescrits, préférant plutôt fumer du cannabis. Sa famille découvre alors qu'il a une plantation. Il y avait une petite plantation qui se faisait de potes. Et puis, il en vendait. Fait que je sais qu'il en prenait. Il riait de ça. Il trouvait ça drôle. J'ai appelé, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, tu peux payer mes dettes. Ben, je vais payer tes dettes. Il y a d'autres manières de payer tes dettes, là. Si tu peux te permettre dedans, là. Ah, il dit, y a pas de danger. Malgré les conseils de son entourage, Patrick décide de poursuivre ses activités illégales.
Durant la fin de semaine du 3 septembre 2011, Patrick se rend au chalet familial avec un ami dans le but d'y faire des rénovations. Elle avait la cuisine, il y avait une chambre, une petite salle de bain. C'était vraiment un beau cachet, là, tu sais. Puis, mais il y avait eu un petit ouragan, fait que le toit de la cuisine avait revolé dans un arbre. Puis, fait que les gars s'étaient donné comme projet de, tu sais, aller reconstruire ce qu'il y avait là, là. L'atmosphère est joyeuse et détendue. Denis est attentionné et Patrick observe sa mère et son beau-père avec fierté. Mais ses rêveries le conduisent sur un autre sentier. Patrick entraîne Denis à l'écart du groupe pour lui parler d'un projet qu'il voudrait réaliser sur la petite île privée. Patrick avait des ambitions par rapport à ce qui se passait sur cette île-là. C'est-à-dire qu'il voulait prendre une partie de l'île et de faire lui-même son propre chalet pour être justement seul à l'écart et à part de ses parents et pouvoir un peu monter ou faire sa vie par lui-même. Denis, qui a toujours été compréhensif et encourageant envers Patrick, s'oppose pour la première fois à son projet et manifeste des signes d'impatience. Fait que là, Denis, il aurait dit là, là, wow, wow, puis wow. Non. Là, cette île-là, c'est à moi. C'est à ta mère, puis tu vas pas venir des fois, mais il dit des fois, on va vouloir être seul. C'est à nous autres. Fait que ça, je pense que ça a fait un argument. Patrick a du mal à essuyer ce refus et tourne sa colère contre sa mère. Il aurait dit ça à son ami sur l'île, qu'il haïssait sa mère. Puis là, son ami aurait demandé... Pourquoi? Il dit « Tout ce qui est bonne affaire, elle, c'est s'asseoir son gros derrière puis dicter à tout le monde quoi faire dans la maison. » Fait que son chum, il aurait dit « Garde, là, à l'âge que t'as, comme, tu sais, il serait peut-être temps que tu te pognes une place à toi, puis, tu sais, ils ont payé pour ce qu'ils ont, puis c'est chez eux, là, quand même. » Patrick n'accorde aucune importance au conseil de son ami et s'obstine à réclamer ce qu'il considère être son dû. La fin de semaine, qui avait pourtant bien commencé, se termine dans la discorde. Denis est venu chez nous le lundi, puis il nous a dit, « Moi, la prochaine fois que ça se tient avec sa mère, c'est bien de valeur, je vais le mettre dehors. » Le mercredi 7 septembre 2011, Patrick se lève tôt, comme à l'habitude, pour aller travailler. Lucie n'a toujours pas oublié l'altercation de la fin de semaine. Lorsque Denis entre dans la cuisine, les deux hommes ont une vive discussion car Patrick en veut encore à son beau-père. Exaspéré, il part travailler. Et ce matin-là, Patrick a un accident au travail. Il oublie d'enlever les câbles d'une remorque qu'il doit transférer et brise l'équipement. En colère, il entre dans le bureau de son patron. Il lui remet ses clés et son cellulaire avant de claquer la porte derrière lui. Vers 10h30, le patron de Patrick l'appelle à la maison. C'est Lucie qui répond. Il lui explique la situation. Lucie est sous le choc. Elle n'a jamais oublié les deux tentatives de suicide de son fils à l'adolescence et craint le pire. Elle me dit, le patron de Patrick, il vient juste de me téléphoner, puis il a vraiment pas l'air content. Elle dit, j'ai peur qu'il ait perdu sa job, s'il l'a pas perdu déjà. Fait que là, j'ai dit, toi, tu as encore ta job, tu sais. Puis Denis, lui, l'a-tu encore? Fait que je dis, le reste, Lucie, ça t'appartient pas, là, tu sais. Fait que là, elle me dit, ouais, mais je pensais, tu sais, que ces jours-là, ça avait changé pour lui. Puis elle dit, là, elle
Elle dit, là, je t'inquiète. J'ai dit, t'es inquiète de quoi? Elle dit, j'ai peur au suicide. Patrick pourrait bien avoir une de ses armes sur lui et poser des gestes irréparables. L'angoisse de Lucie grandit au fil des minutes et Patrick n'arrive toujours pas. Au début du mois de septembre 2011, le comportement de Patrick Mongeon Johnson devient de plus en plus étrange. Le 7 septembre, il quitte son emploi sur un coup de tête. Sous le choc de sa démission subite, Patrick est hors de contrôle. On sait par la rencontre de témoins que Patrick a quitté son emploi, a pris son auto pour aller dans un dépanneur de Gatineau et y voler une caisse de bière. Par la suite, on sait que Patrick s'est rendu à l'aéroport de Gatineau, a attendu quelques minutes avant de consommer la bière, croyait que les policiers allaient venir l'arrêter pour le vol qu'il venait de faire. Et à ce moment-là, Patrick a bu la bière qu'il venait de voler. Ce même jour, Denis fait part à un collègue de son exaspération. Il dit, là, je suis plus capable de me le mettre dehors. Je dis, tu parles de quoi? Il dit, le jeune, je suis plus capable, il est rendu, il abuse, je n'ai pas assez fait pour lui, je cherche pas de pension, il est plus là. Il est rendu qu'il vient fouiller en haut dans nos choses, il respecte plus pendant toutes les consignes qu'on avait établies entre nous autres. Fait qu'il dit, moi, c'est fini. À soir, moi, je vais à la maison, je m'en dis, c'est dehors. Vers 14h30, Patrick rentre enfin chez lui. Sa mère est soulagée de le voir sain et sauf. La crainte du suicide dissipée, elle lui reproche d'avoir quitté son emploi. Patrick tente de lui expliquer les causes de son départ. Puis, lassé d'entendre sa mère le critiquer, il s'enferme dans sa chambre. Lucie, elle, quitte pour faire des courses à la pharmacie. Patrick est un homme avec un tempérament agressif et qui avait beaucoup de difficultés, selon les témoins rencontrés, à contrôler son humeur. Et on sait que Patrick avait beaucoup de difficultés à interagir avec sa mère. Sa mère, qui était un peu aussi contrôlante avec lui, était un peu aussi agressive et colérique. Alors, il y avait beaucoup de friction avec Patrick et sa mère. Assis devant son ordinateur, Patrick s'ouvre une bière avant de laisser aller sa frustration sur Internet. Il laisse plusieurs messages qui inquiètent ses amis. À 15 heures, Denis quitte son travail avec un empressement inhabituel. Pour s'en aller presser de même, c'était pas la nature de Denis. Fait qu'il était mindé que ma journée de travail finit à 3 heures, je m'envoie direct à la maison. Et à ce moment-là, fort possiblement qu'il est allé avec Lucie faire les achats au niveau de la pharmacie un peu plus tard. Vers 16h30, un ami de Patrick se rend chez lui pour prendre de ses nouvelles, inquiet des messages qu'il a lus sur Internet. Patrick était un peu découragé de son travail et alors croyait avoir quitté son travail et l'avoir perdu. Son ami, lorsqu'il y a une discussion ensemble, l'invite à rappeler son employeur pour éventuellement pouvoir réavoir son travail par la suite. Voyant que la conversation le rend inconfortable, l'ami de Patrick change de sujet et lui demande des renseignements sur différents lieux de chasse. Puis, rassuré par l'état de Patrick, il quitte. Lucie et Denis reviennent à la maison vers la fin de l'après-midi et referment la porte derrière eux.
À partir de ce moment-là, on ignore ce qui s'est réellement passé. Selon toute vraisemblance, une chicane aurait éclaté entre les deux hommes. Mettant alors sa menace à exécution, Denis aurait mis Patrick à la porte. Frustré, Patrick Mongeon-Johnson serait alors descendu dans sa chambre, où il aurait chargé une de ses armes de poing. C'est un arme à feu Glock 9 mm qui était dûment enregistrée au niveau des services policiers. L'arme à feu était bien verrouillée dans un coffre. Patrick avait à ce moment-là pris 7 balles qui étaient dans la boîte de munitions pour mettre 7 balles dans l'arme à feu. Patrick Mongeon-Johnson serait alors remonté et se serait positionné à l'arrière de Denis. Levant son arme au niveau de la tête de son beau-père, il tire une balle à bout portant. Patrick Mongeon-Johnson vient d'assassiner froidement son beau-père, Denis Lagacé. Lucie est maintenant seule avec son fils armé. Le mercredi 7 septembre 2011, une dispute éclate entre Patrick Mongeon-Johnson et ses parents. Excédé, Denis Lagacé, son beau-père, le met à la porte. Foudrage, le jeune homme l'abat d'une balle dans la tête. Il se tourne ensuite vers sa mère et fait feu à deux reprises. L'atteignant mortellement à la tête. Patrick Mongeon-Johnson retourne alors l'arme contre lui. Il met le bout du canon sur sa tempe et appuie sur la gâchette. Dans les jours qui suivent, des proches de Denis et Lucie tentent de joindre le couple. Le jeudi, j'ai appelé la boîte vocale pleine. Mais chez Lucie puis Denis, c'était normal d'avoir une boîte vocale pleine. Fait que j'ai dit, oh, je m'allais faire un tour. J'ai fait d'autres choses, j'ai pas été. Le vendredi, deux jours après le meurtre, le gendre de Denis se rend sur les lieux pour prendre des nouvelles. Puis c'est là que lui, il a découvert les corps. Donc, tout s'est enchaîné. Moi, je l'ai su au téléphone. Puis là, lui, il a juste répondu, ils sont morts toutes les trois. Je sais que je criais. Je disais non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. C'est... Je travaille à ce moment-là de soir ici au service de police et j'entends sur les ondes radio qu'il y a la découverte de trois corps dans une résidence. À ce moment-là, je me suis rendu immédiatement sur les lieux afin de prendre en possession la scène de crime, c'est-à-dire de barricader la scène de crime pour une enquête et également pouvoir rencontrer les témoins le plus rapidement possible pour obtenir l'information sur la découverte qui venait de se faire. Les premiers policiers dépêchés sur les lieux découvrent l'horrible scène. Les trois victimes sont identifiées comme Denis Lagacé, qui lui est couché sur le sofa au salon. Il a une blessure à la tête. Il y a également Mme Lucie Johnson, qui elle également est blessée à la tête. Et couché au sol dans l'entrée du salon, M. Patrick Mongeon-Johnson, qui est étendu également blessé à la tête. On transporte les trois victimes à l'hôpital, où l'on confirme leur décès. Moi, je dis que il y en avait trop sur les épaules. Puis, qu'est-ce qui s'est passé entre Denis, Lucie, puis Pat, avant que Pat fasse le coup de feu, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ils ont peut-être une grosse chicane entre les trois, puis Pat était
tanné. Peut-être que sa mère a mis patte dehors. Peut-être que Denis a mis la patte dehors. Je sais pas, puis... Je veux pas savoir la fin de l'histoire de ça, là. Souvent, dans des situations comme celle-ci, on va chercher des causes. Et on va dire que c'est conditions financières, c'est parce qu'il prenait de la dope, c'est parce qu'il est instable, parce que sa mère était comme ci, parce que son beau-père était comme ça, parce que son père l'a abandonné. Non, c'est pas une cause de meurtre. Autrement dit, si c'était ça, ben, il y aurait beaucoup plus de meurtres qu'on en a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations comme ça. C'est qu'il y a chez l'individu une prise de conscience que la solution, c'est le meurtre, et c'est dans la volonté de l'individu de tuer l'autre. Alors, la cause, elle est dans la personne qui commet l'acte, et non pas dans les conditions qui l'entourent. Les jours suivants sont éprouvants pour les familles et amis des victimes. Patrick, Lucie et Denis laissent un grand vide dans la vie des gens qui les aimaient. Les deux semaines qui ont suivi ça, j'étais tout assis sur la même chaise. Je me berçais, puis... Ben voyons donc, ça a de l'allure, tu sais. Là, on fait quoi? Avec qui qu'on va aller souper? Qu'est-ce que c'est quoi on va faire? Mais le temps qu'ils auront été là, ils vont nous avoir appris beaucoup. Puis moi, je dis qu'ils ont été nos anges gardiens sur Terre. Ouais. Mais comme mon chum, il dit, qui dirait qu'un jour, tu mettrais au monde ton meurtrier? C'est vrai, hein? Tu mets au monde ton assassin, là. Wow. Elle a beaucoup de vécu. Moi, j'allais à la pêche avec lui, puis... Je savais pas pêcher. C'est lui qui m'a montré, là. J'ai vraiment des grands plaisirs, des bons plaisirs avec lui. J'ai tout le temps eu du fun avec mon frère Denis, là. Fait que... Des dates qui s'en viennent, des journées qui passent. C'est toujours un rappel de dire, mais... On faisait ça avec Denis cette année. Comme aujourd'hui, ça serait notre... On partirait pour la pêche. Notre week-end de pêche, hein. Fait que... Ça fait mal au cœur, là, ça, là. Peut-être un mois avant ça, Lucien m'a dit qu'ils ont eu une belle grosse conversation qui aurait dit qu'elle trouvait courageuse sa mère puis qu'il l'aimait énormément. Il aurait dit ça à sa mère. Puis elle a dit, la grande, elle a dit, ça m'a fait tellement plaisir là, d'entendre ça de mon gars, là. Tu sais. Puis elle a dit, là, j'y ai dit, Pat, tu sais, comme je suis tout le temps là pour toi. C'est sûr qu'elle était tout le temps là pour lui. C'est un jeune homme qui, on le voit, avait des troubles d'impulsivité. Et donc, quand les circonstances sont là, les deux antagonistes étaient là, lui était là, il y avait une arme, il y avait bu, et donc les inhibitions sont tombées. Et c'était le moment où on arrive à une espèce de crescendo. Et donc, à ce moment-là, bang! Et pourquoi est-ce qu'il se suicide? C'est toujours la question qu'on pose. Pourquoi est-ce... C'est parce qu'il est en train d'éliminer les personnes qui, selon lui, lui font le plus souffrir. Alors, lui fait partie de ça. Pourtant, Lucie et Denis ont toujours fait de leur mieux pour aider et guider Patrick. Nourrir des ambitions pour son enfant et le protéger devant les difficultés ne devrait normalement pas le conduire à des comportements homicidaires, quelles que soient les frustrations qu'il a pu cumuler dans sa vie. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Mmh.